Bonjour, nous voici à nouveau dans Un jour, un mot. Aujourd'hui, le mot que j'ai choisi de commenter, c'est le mot bienveillance. Quel mot magnifique, n'est-ce pas? Mais en fait, que signifie-t-il vraiment? Être bienveillant, c'est regarder l'autre avec les yeux du cœur, sans idée préconçue, en prenant soin de bien noter tous nos filtres, tous nos propres jugements. C'est rester ouvert à ce que peut ressentir, penser l'autre. C'est partir de l'idée que lui seul sait mieux ce qui est bon pour lui. Être bienveillant, c'est aussi oser apprendre de l'autre. C'est s'ouvrir à l'inconnu. Oui, pour moi, c'est tout ça la bienveillance. Mais la bienveillance, pour moi, elle commence déjà avec soi-même. Quel regard portons-nous sur nous? Comment est-ce que nous nous jugeons? Est-ce que nous avons tendance à nous critiquer, à nous dévaloriser, à nous sous-estimer? Sommes-nous durs avec nous-mêmes quand il s'agit de regarder nos actions, nos résultats, nos comportements? Oui, je crois que la bienveillance, elle débute par cette attention que nous choisissons de nous donner ou pas. Être un bon parent pour soi-même. Alors, à chaque fois que vous aurez tendance à vous juger, à vous critiquer, je vous invite à faire une pause et à vous demander « Que dirait ma meilleure amie ou mon meilleur ami par rapport à cette situation ? Que dirait un bon parent à son enfant ?» Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la violence que nous nous infligeons parfois à nous-mêmes, justement par manque de bienveillance. Alors aujourd'hui, j'ai un petit défi à vous lancer. Et je voulais déclarer ouverte la journée de la bienveillance. Et je vous souhaite une magnifique journée. À très bientôt.